Zanmi tout patou, nou salyo, nou gen plezi pote pou tout nouvel jounen an men point ki ap domine aktualite a. Depite minorite yo vle profite de soti rapor sou dosye Petro-Karibe a pou lanse yon lot fwa ankor nan batay pou rive chavire Jovenel Moïse sou pouvoi. Nan san sa, yo deside reaktive dosye ki vize mete chef l'Etat an akizasyon dapre depite Marie Groa ki tap fe anons tan pou implikasyon li nan gaspye l'ajan l'Etat. Bataille pour forcer président Jovenel Moïse rache men ok li concerne tout secteur dans pays a ces paroles chilien Louis d'Or qui profite annoncer une mobilisation pacifique pour dimanche 9 juin qui a vini là pont sous la rivière Bethel dans commune Cabaret subi gros dommage après la pluie qui était fin tombé mardi 4 juin sous région ça qui t'a pral paralyser circulation machine dans zone si là et puis dans page international la plus passé 60 moun mouri ak 320 l'autre blessé. Yon bilan ki vin pi lourd depi afrontman lundi passé entre manifestants ak chef flot yo nan peyi Soudan. Bienvenue dans développement journal là député minorité yo vle profiter de sorti rapport dossier Petro-Karibe a pour lancer yon l'autre fois encore nan bataille pour rive chavire Jovenel Moïse en sous pouvoir dans son sa ou décider réactiver dossier qui visait mettre chef l'état en accusation d'après député Marie Goa qui t'a fait annonce là pour implication li dans gaspillage à l'argent l'état yon demande à parlementaire sa ou te fait dans mois avril passé a bon côté bureau chambre député a d'après des 800 déhonnêtes yo adressé yon l'autre correspondance ak biroa nan sans sa an côté député de 8 de honnête correspondance nous adressé à président chambre député monsieur Garibodo sous demande de mise en accusation président république là m'a rappelé que demande ça été produit par nos 14 députés de la minorité depuis en février nous fait en demande pour li bay urgence avec séance ça en avril et qui pas jamais gain réponse depuis date là et je dis par rapport à situation actuelle là nous demander président pour lui faire valoir demande nous et que pour réaliser séance de mise en accusation président république là nous dit et nous souligner dans correspondance là que séance de mise en accusation a permettre nous éviter trois bagages qui évident un la permettre nous éviter que président Jovenel Moïse li sauver sous pouvoir et sauver par là non mais la justice la permettre en deuxième bagaille que nous éviter un soulèvement populaire qui ca fait nous perdre en pile matériel et fait nous perdre monde fait nous perdre la vie monde et la permettre en troisième bagaille fait nous éviter à ce que Haïti tourne en lieu côté que yo légitimer corruption généralisée dans toute fonction publique là et nous fait appel dans nos tout 14 députés qui signent document ça pour demander pour mettre président en accusation parce que je dis présence président Jovenel en dans république là dans sommet l'état comme président ne fait que profaner les hauts lieux de l'état donc les hauts lieux de l'administration publique haïtienne et les hauts lieux de la république sont profanés par la présence du président Jovenel Moïse suite au rapport définitif de la Cour supérieure des comptes. Demande député opposition pour mettre chef l'État en accusation, c'est pral yon occasion pour député majorité y aurait fait image yo. D'après l'humérant Jean-Marcel, yon approche konsa mette député kap sipote Jovenel Moïse yo nan ti souliye yo face ak dérive chef l'État fait sous pouvoir côté li pas suspend passé constitution en papier, bay population a menti et puis finalement non le cité dans rapport coup des comptes là. Plus d'explications avec député Lumière Jean-Marcel. Nous venons aujourd'hui à nous constater que le président de la République, M. Jovenel, n'a pas fait autorité pour gérer un rien dans le pays. Nous devons comprendre que la population doit informer de ça, que dans les prochains jours, le gaz n'a pas monté sur ma chair. Et le président n'a pas une autorité pour que l'imposer à la population. Nous toujours dit nous-mêmes de la minorité, que chaque fois qu'on fait un bon bagaille, la nature a pédé. Et c'est le moment qui vient pour nous soulever encore et donner la chance à la majorité, à la Chambre des députés, pour y refaire tête à travers des modes de mise en accusation du président de la République que nous avons fait et que nous avons renouvelé à bureau Chambre des députés pour que à l'ouverture de la dernière session, que ce dossier soit mis sous table et que les députés. Et dans sa grande majorité,
capable d'arriver, refaire tout et trancher positivement pour le bien commun. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas qu'un autre carrefour que tout le monde constate que le président de la République ne gère presque ne gère plus rien. Donc, les discours du président ne font plus autorité. Et en plus que le président est impliqué dans un dossier de Petro-Caribé comme collègue de Koso Souliel, nous avons compris que moralement et par éthique, le président n'est pas capable de continuer à mener les rênes de la République. Et en ce sens, comme parlementaire, la voie qui était offerte à nous-mêmes, c'est la mise en accusation, ce que nous avons fait par intelligence et que nous autres, la minorité, nous avons conservé une sorte de constance, une cohérence et nous prenons courage nous, à deux mains. Et nous dit encore, on a mené dossier pour que la population soit capable de joindre justice. Et d'ailleurs, si le président fait obstacle, et seule manière nous avons pour nous conduire le président pour aller devant la justice, c'est procéder par sa mise en accusation et que le Sénat pral érige en haute cour de justice pour lui capable de juger le président pour les faits qui lui sont reprochés. Tout le monde qui est impliqué dans le rapport Petro-Caribéa doit répondre à la question de la justice d'après député Mibaléa. Abel Décolline estime qu'il est temps pour le pays à lancer tout bon vrai dans la bataille contre la corruption. Même gens ça fait dans plusieurs autres pays, tant que Brésil, Pérou et Afrique du Sud, côté chef l'État, ça est obligé de démissionner parce qu'il a été impliqué dans la corruption. Abel Décolline, quoi, président République, là, doit faire même gens avec chef l'État, ça est, parce que non le cité dans le rapport coup des comptes, là, en côté Abel Décolline. Nous voulons, jeudi, emboîter le pas pour nous dire que rapport ça qui sorti sous Petro-Caribé gagnait des exemples qui doit tracer. Dans notre histoire, il y avait déjà le procès de la consolidation. Ce n'est pas la peine de refaire l'histoire, tout le monde connaît procès consolidation ça comment il était passé. Et depuis ce fameux procès, nous en face, un scandale, dilapidation, de détournement, de corruption avérée qui mettez paysan en situation pour que, une fois pour toutes, gagnez des exemples qui tracent. Et exemple ça yo, li doit tracer envers et contre tous. Quel que soit statut moun qui indexé, qui impliqué, faut que yo capable condamner, faut que yo capable payer pour ça yo fait pays ça. Peu importe qu'il s'agisse de chef d'entreprise, peu importe qu'il s'agisse de ancien ministre pour faire court, ancien comptable ou ordonnateur, qu'il soit président, premier ministre ou ancien premier ministre. Et en cela, nous-mêmes nous dit, il y a deux paramètres à considérer dans le rapport Coudet. Oui, il s'agit d'un rapport administratif. Et certains m'ont dit, comme c'est un rapport administratif, il ne faut pas aller vite en besogne pour réclamer sanction ou pour réclamer démission. Nous dit Mounsayo erré. Oui, c'est un rapport administratif, mais rapport administratif, ça a tout, li doué obligatoirement mener by des conséquences politiques. Ou pas qu'à président de la République ou indexé ou impliqué dans un scandale de corruption pour être au sommet de l'État. Secteur démocratique et populaire dans une conférence en journée mercredi a annoncé qu'il prend acte concernant deuxième rapport sur dossier Petro-Caribéa qui montre implication autorité dans dilapidation l'argent pays a. Dans ce sens, porte-parole secteur a demandé pour chef l'État remettre démission pressé. André Michel pour plus de détails.
Bataille pour forcer président Jovenel Moïse Rachet Mayokli concernait tout secteur dans le pays. Ces paroles Chile à Louis d'Or qui profitait annoncer une mobilisation pacifique pour dimanche 9 juin qui a venu là. Secteur démocratique et populaire a invité toute population qui a subi mauvais la vie, vienne exprimer frustration dans la journée de mobilisation. Ça, en écoute Chile à Louis d'Or. L'autre point qui gagne en actualité à pont sous la rivière Bethel dans la commune Cabaret Sibi, gros dommage après la pluie qui était fin tombée mardi 4 juin sous région Sila, ça qui t'apprend à paralyser circulation machine dans zone ça. Bien bonné dans matin mercredi à magistrat principal commune non, Thomas Joseph Will te gain temps sous place pour être capable de contrôler situation hein, fait qu'on est déjà rentré en contact avec autorité dans ministère travaux publics yo même qui commence travail pour remettre pont ça camper avant longtemps. En côté Thomas Joseph Wills. Pour on été fissuré après une forte pluie. C'est passé dans commune parce que plus ou moins la pluie a sauté en hauteur. Et puis pour là l'eau est montée sur tout pont. Nous relé travaux publics. Nous pas la ministre travaux publics là nous dit pour on fissuré faut une intervention d'urgence pour protéger pied pont. Le devé on va pas excavatrice qui pas qu'à faire rien. Hier soir la pluie est tombée pour on vit fortement endommagé. Matin, je parle avec ni protection civile, ni directeur ministère intérieur, ni directeur ministère travaux publics, ni ministère travaux publics. Je parle ensemble avec eux, je vois une délégation venir. Premier, ça m'a regardé faire nous devons mesures de conservatoire. Nous devons permettre pour les machines de passer qui est sous pont. Pour ne pas aggraver la situation, pour ne pas avoir de mort d'homme. C'est que la population est étendue, il y a un peu de monde qui est dans la zone qui a voulu mettre votre main forte pour permettre de respecter les mesures. Regardez, c'est que la population dans la zone qui a aidé nous. Depuis à 2h du matin, nous sommes sous deux pieds nous. Et nous parlons de la responsabilité de la délégation pour nous garder pont. Nous, dans le premier bail, je vais signaler. Nous disons, il y a fouillé pour nous, nous avons gardé où ça. Pied pour nous, continuons à détacher. Si ça nous dit, si nous ne faisons pas de bagaille cosmétique, mais il n'y a pas de bagaille cosmétique dans le gouvernement. Pour nous, pas bon, il y a crasé pour nous, faire l'autre. Parce que si nous faisons pas de cosmétique, il y a des gens qui mourent devant. Il y a des gens de la population qui mourent, il y a des gens qui sont dans la Tibonite. Dans le nord-est qui mourit, nous ne voulons pas de cosmétique. Nous voulons une technique faite, il faut faire protection pour moi. Et puis si pour moi, pas qu'à protéger, nous allons écraser pour moi pour faire pour moi. Mais en dehors de tout ça, Kabaye est l'autre zone toute sinistrée. Par exemple, nous faisons plusieurs interventions pour protéger la ville d'aider. Nous ne faisons pas faire ça. Quand vous publiez une lettre, vous voulez technicien, mais réaccompagner, vous ne pouvez jamais faire suivi. Il y a un redoute, il y a un redoute. Tout crasé, tout dans une mauvaise situation. Nous avons demandé travaux publics. Il y a un gars qui est prince qui est inondé, il y a un sabouin qui est inondé. Nous avons demandé au gouvernement pour intervenir d'urgence sous Cabaret. Et nous avons demandé un fonds d'urgence à tout pour intervenir sous pont 1 parce que c'est le nord et l'ouest qui est bloqué. Ça veut dire, Gangoua déjà, arrête déjà. Si moi je vais rentrer dans Port-au-Prince, si je ne vais pas faire activité chaque jour, c'est le problème pour le pire. Dans ce sens, nous demandons au gouvernement pour la situation ça en main et pour permettre de résoudre non seulement le problème pour moi, et résoudre le problème de l'autre zone qui est sinistre. Kazek, deuxième section Kabaria, qui c'est en même temps président Fédération nationale Kazek d'Haïti, quoi avant longtemps, circulation pour le reprendre comme ça doit dans Kabaret. Paul André rassure la population qui a même te vle montre yo en colère contre travail réhabilitation parce que d'après yo, pour yon, pap ka consigne si pote chay ka passe sous li yo en suivre. L'appui qui te passe dans fin mois de mai, c'est vraiment arrivé affecté pont. Gagné la pluie qui tombait hier soir, l'eau a vini,
li vin continuer fouiller pied point. Là nous vin garder contrairement à ça nous te dit gagnien point vin déplacer mais dans point de point gagnien yon déformation qui fait li endommagé et technicien yo vini et ingénieur qui était construit point il y a de cela 32 ans il était venu là il identifier problème yo il a fait un travail pour que dans point de point qui effondré il a retiré et macadam qui sous lui pour capable peler trou qui à côté pied point quelque part pour entrer font se déplacer et il a remetté et dans sens normal li. C'est vrai population capable gain inquiétude c'est ingénieur qui t'a construit pont qui t'est venu là même il parlait avec nous il gagne des techniciens qui avec lui il gagne un directeur départemental l'ouest travaux publics là qui là tout c'est eux même qui a fait travail là et ont commencé ouais ont débouché pour qu'à plein pied pont en soi pas gain trop problème c'est pied pont c'est avant pont qui l'a fouillé li li vinn ki ton vide yo pral combler vide là yo pral faire des protections appropriées pour que yo capable bailler yon solution là pour on nous parler justice pour kounya la commissaire Port-au-Prince a dressé bilan travail li sorti décembre 2018 pour arriver mois mai qui saute passé a sur 122 dossiers qui rentré dans paquet a pour mois mai a 57 aller dans cabinet instruction 44 classés sans suite 21 déféré dans tribunal correctionnel 83 réquisitoires à 41 accusation c'est quelques dans chiffre chef paquet Port-au-Prince t'est partagé avec la presse journée mercredi a en suivre pour moi mais nous gagnons 83 réquisitoires définitifs qui traitent dans le paquet. Nous gagnons 41 actes d'accusation qui baillent au total 124 actes d'accusation et réquisitoires qui traitent dans le niveau paquet pour moi mais nous gagnons 57 dossiers, le dossier qui traitait en temps réel. Et m'a dit nous ça 122 dossiers qu'entrer dans paquet pour moi mais tout traité en temps réel 57 à les cabinets d'instruction 44 classés sans suite et 21 dossiers déférés au tribunal correctionnel qui bat au total 122 donc 122 dossiers traités en temps réel 124 acte d'accusation et réquisitoire, ça donne au total 246 dossiers pour moi mais seulement. 686 actes d'accusation et réquisitoire définitif qui traitaient dans le niveau paquet Port-au-Prince de décembre à mois de mai 2019. Et pas oublier, suivant l'inventaire nous avons fait, tout de suite après prestation de serment, nous avons seulement 40 actes d'accusation et réquisitoire définitif pour une période de 6 mois. Avec stratégie administrative que nous utilisons dans le paquet, notamment le système de quota de dossiers par substitut, nous arrivons à faire 686 actes d'accusation et réquisitoire définitif en 5 mois. Nous traitons 518 dossiers en temps réel, c'est-à-dire de dossiers qui entrent dans le paquet, qui traitent tout de suite. Ça ban nous au total 1204 dossiers qui traitaient dans le paquet de décembre à mai 2019. Entre septembre 2018 et décembre, détention préventive a oscillé autour de 4918 détenus en détention préventive prolongée pour la prison civile de Port-au-Prince. Donc cette détention concerne la juridiction de Port-au-Prince. C'est-à-dire nous étions presque dans 5000 détenus en détention préventive prolongé pour la seule juridiction de Port-au-Prince. Graduellement, nous diminuons. Jodi, pendant ma parole à volant, dernier chiffre, nous gagnons 3352 détenus en détention préventive
prolongé. Commissaire Port-au-Prince lance un pinga bay tout monde qui a commis des actes malhonnêtes dans le pays là, puis loin li fait moun sa reconnaît pour pas prendre chance à l'inscrit dans PNH là parce qu'il est prêt pour prendre toute disposition pour poursuivre tout l'autre crime ça yo en côté Paul et 11 Villard. À tout monde qui a gain intention à l'inscrit dans police nationale là. Sou konnen quelque part ou gen rapport avec yon gang ou gen rapport à une activité qui pas clair ou konnen ou gon ba ou te fait pas mal dans le temps ou pas même besoin prendre chance à l'inscrire dans police nationale là parce que commissaire gouvernement ça là kounier aussi longtemps que la police fait rapport côté l'identifie comme gang comme membre de groupe de gang comme monde qui t'a participé dans association de malfaiteurs comme monde qui t'a participé dans meurtre comme monde qui t'a participé dans braquage dans cambriolage pas capable hésiter pour suivre aussi longtemps que la police voye rapport ban nous sur aspirant policier li di nous c'est groupe de gang yo nous même n'a toujours poursuivre et nous même nous pas c'est nous pas en structure d'enquête son organe de poursuite et gain deux possibilités ou bien le commissaire du gouvernement analyse l'opportunité des poursuites ou bien il analyse la légalité des poursuites étant donné que en matière d'assassinat braquage et crime, meurtre, l'instruction est obligatoire. Nous-mêmes, nous faisons exactement ça la loi dit nous fait. Nous déférons au cabinet d'instruction. Chef paquet Port-au-Prince-Lan, yon l'autre bord, déchargé institution l'ap dirige ya, des dossiers Petro-Caribe ya. Pour les 11 villages, ajouté lui-même l'ap suivre procédure yo, c'est cabinet instruction an, qui pour faire suite à ce dossier si la, li pan en phase pour mettre action publique en mouvement. En côté chef paquet ya, Paul et 11 villages. Premier rapport nous t'est acheminé au cabinet d'instruction dans le cadre de ce fameux dossier Petro-Caribe, nous dit c'était un rapport qui t'est venu joindre nous. À partir d'un organe politique, parce que le Sénat de la République est un organe politique d'abord. Et rapport ça, il y a une valeur politique ou valeur de dénonciation. C'est ça la technique là. Et comment rapport ça a été venu dans le même paquet pour le traiter? C'est coup des comptes qui c'est le bras technique du Sénat de la République qui était engagé pour suite normalement parce que c'est un crime financier. Et qui m'a dit en pile expertise, en pile technique, nous avons analysé et ce premier rapport de la Cour des comptes et du contentieux administratif a été transféré au cabinet d'instruction. Donc il y a un juge présentement qui travaille sur le dossier. Nous ne sommes plus, nous pas dans phase, si vous voulez, dans phase de la mise en évidence de l'action publique. Parce que le dossier est déjà au cabinet d'instruction. Mais maintenant, sur le plan technique, ce deuxième rapport de la Cour des comptes doit nécessairement suivre le même cheminement. C'est pour ça qu'il faut, ouais, Cour des comptes, acheminer encore à l'organe politique qui est le Sénat de la République. C'est une question de procédure. Nous ne voulons pas faire un lien en dehors des procédures tracées par la loi. Nous ne voulons pas faire un lien tout comme si pour bâcler. Parce que tout le monde a besoin qu'on ait côte côte béto caribéen passé. Si la Cour des comptes, par exemple, dans sa mission, te rend un arrêt de débat, ça c'est autre chose. L'arrêt de débat, il y a un autre aspect. Avec cet arrêt de débat, il a saisi directement la justice. Mais jusqu'à présent, la Cour des comptes fait des recommandations. Et il transmet le dossier à l'organe politique qui te bal fait rapport. Là. Et l'organe politique, là, il y a un statut sous lui. Je suis dans la procédure. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la page internationale journal là. N'a rentré dans pays Brésil, autorité portugaise et brésilien yo nan tête collé ak administration américaine ak police britannique, mette la patte sous 50 sacs remplis ak plus passé yon ton cocaïne à bord yon ti bateau brésilien nan mitan océan Atlantique là. Yon marchandise qui estimé en plus passé 30 millions d'euros en suivi un reportage ak Euronews. 50 sacs remplis de plus d'une tonne de cocaïne. C'est ce qu'a saisi la police portugaise à bord d'un petit bateau de pêche brésilien intercepté en plein océan Atlantique au large du Cap-Vert. La marchandise, d'une valeur de plus de 30 millions d'euros, devait être dispatchée en Europe.
C'est grâce à un échange d'informations entre les autorités portugaises et brésiliennes que l'opération a pu être lancée avec la collaboration de l'administration américaine pour le contrôle des drogues et de la police britannique. Les 7 membres d'équipage ont été arrêtés. Plus passé 60 monde mourir et 320 autres blessés, un bilan qui a vint plus lourd depuis affrontement lundi passé entre manifestants et chef l'audio dans le pays Soudan. Chef conseil militaire qui a dirigé transition dit qu'il paraît pour faire négociation sans aucune limite. Une proposition qui était voyée j'étais bien loin dans le jour passé. On suit. Le Soudan s'engage-t-il vers une solution à la crise politique qui ensanglante le pays? À la télévision nationale, le chef du conseil militaire de transition s'est dit ouvert aux négociations sans restriction après les avoir totalement rejetés la veille. L'Arabie saoudite, qui soutient la junte, milite désormais pour une reprise du dialogue. Depuis lundi, la répression a fait au moins 60 morts, un bilan qui pourrait s'alourdir et plus de 320 blessés. La journée de lundi a été la plus meurtrière, qualifiée de massacre par les habitants de Khartoum lorsque les manifestants ont été réprimés durant leur sit-in devant le QG de l'armée. Depuis le 6 avril, ils se rassemblent devant ce QG pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Depuis le départ du président Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril, le conseil militaire de transition dirige le Soudan avec le soutien de paramilitaires déployés dans tout le pays. Un pays dont les rues étaient aujourd'hui vidées de leurs habitants terrorisés, malgré la fête de la fin du Ramadan. Représentant 16 pays parmi eux, Allemagne, Canada, la France et les États-Unis, ont assisté journée mercredi à la cérémonie pour célébrer le 75e anniversaire du débarquement soldats britanniques. Une soixantaine de rangers américains ont rendu hommage à des vétérans qui ont traversé l'Atlantique pour commémoration. Comme l'avaient fait leurs prédécesseurs 75 ans plus tôt, ils ont gravi la pointe du Hoc dans le Calvados. Une soixantaine de rangers américains ont ainsi commémoré à leur manière l'anniversaire du débarquement sous les yeux de nombreux vétérans ayant traversé l'Atlantique pour ces cérémonies du souvenir. Ray Lambert est lui allé à la rencontre de jeunes écoliers dans la commune de Nonant. Le jour J, celui qui était alors un jeune médecin de l'armée américaine fut gravement blessé sur Omaha Beach. Il s'en souvient, comme si c'était hier. Quand je vais regarder le rivage à Omaha Beach, je me souviens de tous mes amis qui ont été tués là-bas. Et quand je regarde la Manche et que l'eau est agitée, j'ai parfois l'impression d'entendre des voix. Mais c'est seulement dans mon esprit, bien sûr. De l'autre côté de la Manche, à Plymouth, les vétérans étaient aussi à l'honneur. C'est d'ici qu'étaient parties les troupes navales britanniques et c'est là qu'a été donné le coup d'envoi officiel des commémorations avec une cérémonie internationale à laquelle ont assisté les représentants de 16 pays, parmi eux Donald Trump, Emmanuel Macron, le Canadien Justin Trudeau et l'Allemande Angela Merkel. 16 pays qui ont adopté une déclaration écrite pour faire en sorte, je cite, « que les sacrifices du passé ne soient jamais vains ». Et jamais oublié. Fonds monétaire international exprimé inquiétude li yon l'autre fois encore concernant chirépite commercial qui a grandi entre la Chine et les États-Unis. Directrice FMI a fait connaître tarif douanier de puissance sa yon imposé a, capable réduire PIB mondial là à 0,5% qui représentait yon pète 455 milliards dollars américains pour pépite. L'économie mondiale est affectée durement par la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. C'est le cri d'alarme du Fonds monétaire international. Sa directrice générale, Christine Lagarde, s'inquiète de la guerre entre les deux grandes puissances qui s'amplifie. Mi-mai, les États-Unis portent à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine et menacent de surtaxer la totalité des importations en provenance du géant asiatique. Le 1er juin, Pékin rétorque en augmentant ses tarifs douaniers sur 60 milliards de dollars de biens américains. Les économistes estiment que les mesures protectionnistes nuisent non seulement à la croissance et à l'emploi, mais encore rendent les biens de consommation plus chers, affectant surtout les ménages à faible revenu. Journal Lakaba, avant d'aller mes points, nous arrivé développé pour vous. Député minorité, vous voulez profiter de sortir rapport sur le dossier Petro-Caribéa pour lancer eux, l'autre fois encore, dans la bataille pour arriver à chavirer Jovenel Moïse sous pouvoir. Dans ce sens, vous décidez de réactiver le dossier qui visait mettre chef de l'État en accusation, d'après député Marie Goa qui a fait annonce pour implication li dans gaspiller l'argent de l'État.
Bataille pour forcer le président Jovenel Moïse Rachet Marocli concernait tout secteur dans le pays. Ces paroles Chilien Louis d'Or qui profitait annoncer une mobilisation pacifique pour dimanche 9 juin qui a venu là. Pont sous la rivière Bethel dans la commune Cabaret subit gros dommage après la pluie qui était fin tombée mardi 4 juin sous région ça. Ça qui t'a paralysé la circulation machine dans la zone si là. Et puis dans la page internationale, la plus passé 60 personnes mourir avec 320 autres blessés. Il y a un bilan qui vient plus lourd depuis l'affrontement lundi passé entre manifestants et chef Lodio dans le pays Soudan. C'est là nous mettons un bout dans le journal là, Vladimir Désir, à cause de la charité là pour te servir. Passez un bon moment sous télévision. Bye bye tout le monde.